Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Merci à tous les répondants. Ceux qui ont été en train de faire Facebook, merci à tous les réagissants pour nous recadrer. Merci à tous les gens. On est toujours ensemble. Nous menons cette lutte ensemble. Encore un peu plus d'efforts. On atteint 130 000 abonnés aujourd'hui. Faisons encore beaucoup plus d'efforts. Je me rends compte que Bandeko Bélé, il y a des TV, mais il y a des abonnés. Parce que TV est un smart. Donc, mais vous abonnez. Or, biso beaucoup aidé, biso mingi ceux qui vous abonnez. Or, tu ne peux t'abonner que na soit na obino bien un computer, soit un ordinateur na yo, soit un téléphone na yo. Donc, koki ko effectivement ko s'abonner. Donc, le plus beau cadeau que tu peux me faire moi, c'est de t'abonner et d'abonner 30 personnes na simanayo. Et ça, c'est un très grand plaisir. 30 personnes, ça veut dire 30 identités. Ça veut dire l'identité internet, hein. Au quotidien, aux abonnés, moi ça me fera un grand plaisir. Merci Mingi Nabilonios. Albert Yuma, confirmé à la tête de la FEC. Kassembo, condamné à payer 20 000 dollars de dommages et intérêts. Oh, il y a un Congo, hein. Non, ça c'est notre pays, quoi. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale prend officiellement le commande. Il faut dire aussi que le Sénat, hier, on a assisté à ça aussi. Le président sortant a laissé la place au bureau d'âge. Il y a Sénat et donc Bazalaki ensemble. Moutombe à la primature, Modeste Bati au Sénat. Union sacrée, Congo nouveau. Alors, Moutombe, je ne le connais pas trop. C'est qui Moutombe? Peut-être le gouverneur de la banque, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Alors, on en parlera. Mais je suis très convaincu que le chef de l'État va être très regardant sur cette question. Moi, personnellement, Nazarapena, pour ma régionalisme, était, hein, c'est comme pour dire que le Katanga, comme c'était Sylvestre Ilunga, il était Katangais, eh bien, il faut donner aussi la primature à un Katangais. Moi, je ne trouve vraiment pas ça logique, pas du tout logique. Parce que si c'était logique, on aurait donné l'Équateur aussi. On aurait donné à l'Assemblée nationale de l'Équateur, parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui était de l'Équateur. On aurait pu donner à l'Équateur aussi cette province. Donc, je ne vois pas au nom de quoi on ne respectera pas cette question d'un niveau de l'Assemblée nationale et on va vouloir respecter ça d'un niveau de la Katanga. Je ne sais pas. Je trouve ça illogique et je ne trouve pas ça tenable et surtout pas soutenable. Mais en même temps, le Sénat, pourquoi le Sénat doit être dirigé par M. Bati Lukwebo, parce qu'il est de Kivu, et comme Tambo Mbomba était dans le même espace, tout gardant au Kabon, alors ça encore, on va se poser des questions. Et pourquoi alors, à l'Équateur, ça n'a pas été le cas? Donc, tu retombes dans la justice encore pour rien, quoi, des jugements, et ça m'a monté. Même Yomoko Tango, on se rend compte qu'ici, on n'a vraiment pas été juste, quoi. Parce que si c'était un principe, alors respectons le principe jusqu'au bout. Si c'était un principe, respectons le principe jusqu'au bout.
Si ce n'est pas un principe, alors faisons la même chose, comme tout le monde, comme ailleurs. Donc, au niveau de la primature, bon, mettez quelqu'un de l'UDPS, ou mettez quelqu'un d'Ensemble, ou mettez quelqu'un du MLC. Je comprendrai. Sinon, si on dit d'un côté à primature, on va garder quelqu'un du Katanga, parce que celui qui a été là a été du Katanga, alors on aura fait mal à une province, et ce n'est pas bien. Donc, ça, c'est mon point de vue, en tout cas, j'imagine. Et puis, de deux, je pense que le nom qu'on a déjà entendu, très souvent, moi, je pense que le chef de l'État, pour qu'à réussir le mandat d'aller convenablement, il faut que le chef de l'État s'apesantisse sur des nouvelles formes, il y a Batou. De nouveaux visages, je pense. Des nouveaux noms. Le Congo compte 100 millions d'habitants. Le Congo peut compter aujourd'hui près de 30 millions, ou si vous voulez, d'intellectuels. Et dans les 30 millions d'intellectuels, je suis très convaincu qu'il y a peut-être 15 000 ou 20 000 qui sont bons. Alors, dans les 20 000 qui sont bons, pourquoi depuis 1960, les mêmes noms doivent rester sur la scène? Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis contre personne. Si la méritocratie, si c'était des gens compétents, on allait voir les résultats là-bas. Moi, je pense seulement que, avant de nommer quelqu'un dans une fonction quelconque, je préfère encore qu'on donne la chance à ceux qui n'ont jamais travaillé. Je préfère qu'on donne la chance à ceux qui n'ont jamais travaillé parce qu'ils n'ont pas d'éléments de jugement. Ils n'ont pas d'éléments de jugement. Vous allez le juger sur base de quoi? Parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Il faut qu'ils travaillent pour que vous puissiez les juger. Mais ceux qui ont déjà travaillé, on peut les juger. Nous pouvons juger leur capacité, leur rendement. Si nous voulons avoir un gouvernement équilibré, si nous voulons avoir un gouvernement des travailleurs, tout commencera par la manière de faire les choses, par le casting. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de tractations, il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de mouvements, on sait. Mais au-delà de tout, celui qui répondra en 2023 devant le peuple, c'est le président de la République. C'est lui qui répondra. Voilà pourquoi nous évoluons, nous travaillons dans l'idée de l'aider à réussir le mandat. En faisant quoi? En proposant. En faisant quoi? En proposant, mais aussi en montrant un tout petit peu, en dévoilant ou, si vous voulez, en dénonçant les choses. C'est que, à chef de l'État, nous avons besoin d'un sang nouveau. On a besoin de sang neuf. On a besoin des hommes qui ont encore de l'ambition. Nous avons besoin des hommes qui n'ont pas été mêlés dans des choses. Des gens qui n'ont jamais été cités dans quoi que ce soit. Des gens qui n'ont pas de relation directe avec l'ancien système. Mais si vous avez des hommes qui ont été créés, fabriqués par l'ancien système, mais je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas amener. Je ne dis pas qu'ils vont tous toujours amener, mais je dis qu'ils connaissent un système. J'ai rencontré mon grand frère hier, Redi Amisi Bailo Kanto. Je l'ai rencontré et il me disait des choses. Je ne veux pas dire tout ce qu'il m'a dit, mais quelque chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, Christian, ils ne connaissent aucun autre système que celui-là. Le système de quoi? De la prédocratie. Je veux dire, de la prédation. Le système de la prédocratie, voilà. Il faut que ça dit qu'on a le prédateur. Bango ba yebi kaka yango. Qu'on a le prédateur. Vina bango mubimba ba bika kaka na mbongo ya l'État. Ce qui va qui va faire na bango mike mike, ba yaki qu'on amplifie yango davantage na mbongo da trésor public. Mais nous aussi, on a place nini, un commerçant, à côté de la politique, à côté de la politique, et à Zuba marché, nyoso, à côté de la concurrence déloyale. À celui de la Congo future, à celui de la Boé, à celui de la Boé, à celui de la Boé, pour que quelqu'un contre Bango. Et les investisseurs, on va dire concurrents, moi, il y a exacté, parce que lui, il doit écouler, soit ma Simon, il doit écouler ma Farine, il doit écouler l'Osonaye, il doit écouler Milokona nyoso. Et alors, dites-moi un peu, Batouye Model, même s'il fait des yeux doux, au président de la République, il ne va rien faire de bon. Il ne fera rien de bon, il fera le minimum, mais il ne donnera pas le maximum. Or, nous avons besoin, pour regagner et gagner les retards qu'on a eu dans ce pays, il faut des hommes qui n'ont que ça à faire, qui n'ont que le développement du pays dans leur tête. Des hommes et des femmes qui ne sont pas préoccupés par le nombre de maisons, qui ne sont pas préoccupés par la liste des femmes à loger, à tout ça. Non, parce que plus bête que ça peut paraître, hein, l'homme politique congolais est ancré dans la bassesse. Excusez-moi de vous le dire, on le retrouve tous dans des choses inutiles et des choses de basse fréquence.
Ils sont tous dans les histoires des femmes, dans les histoires des Pembe, qu'on fout la bombe, d'accord. Ceux qui boyoki biloko on a place plutôt. Nous on est des journalistes, nous entendons. Ceux qui boyoki biloko mais tu te poses la question, mais non, toute la vie ça sert à ça quoi. Yomo koza mutu, koza ministre, on en a 4 ou 7 femmes au Lojaka. J'ai envie de savoir aux Orambongo wapi, parce que tu n'as pas d'autres entrées. Au Lojaka bango nyoso na ville. Nababoul, nababi, nababuilding, obiso tout oyebi. Et puis c'est notoirement connu. Le ministre vient ici, le ministre vient là-bas. Oza yomoko na 5 foyers et retenir. Bon, comment vous allez servir le pays? Est-ce que, je sais pas, hein, on va dire, mais c'est leur vie privée. Non, mais leur vie privée impacte notre vie. C'est-à-dire, nous travaillons dur pour que eux prennent le temps de. Yoksa, ma luxure, nabango. Ça veut dire, nous, dans notre travail, mais y'a pas si. Tant qu'on nourrir ma petit vorace nabango, tant qu'on nourrir ma envie libidinale nabango, c'est pas possible. Bon, me poser la question, moi, n'ai un ministre, j'ai un chômeur. Moi, n'ai un premier ministre, j'ai un chômeur. Mais à côté, na boîte, à kangi boîte, mon bimba. Avant que ce soit ma champagne, à une bonne wanawapi. Est-ce que binomoko, ça ne vous gêne pas? Est-ce que vous ne vous indignez pas? C'est pourquoi moi je propose aux gens de lire le livre de Stéphane Hessel. Le livre de Stéphane Hessel, indignez-vous. Ensuite, engagez-vous. Mais à un moment donné, nous devons nous indigner. Comment tu m'expliques que l'enfant d'un premier ministre, hier, locataire, aujourd'hui le premier ministre est au pouvoir, bananaye, la Belgique, est-ce que ça ne vous gêne pas? Est-ce que ça ne vous gêne pas? Est-ce que ça ne peut pas nous gêner, nous? Il y a un monsieur, Nautan Komboté, son fils, à Kangat, à ministère mort quelconque, ministère mort Yamboka, son fils a appelé un service traiteur. Avec un service traiteur, il y a un cabinet. Il y a un cabinet service traiteur. Pour qui a fait ça? Le don de l'enfant du ministre. Et on est d'accord avec ça. Vraiment? Est-ce qu'un pays comme ça court après le développement? Est-ce qu'un pays comme ça pense à un développement? Comment vous allez développer votre pays avec des ambianceurs et un modèle ouana? Vous avez des gouverneurs qui ne restent jamais dans ma province, Nabango, qui passent tout le temps à Kinshasa. Tous les week-ends, ils sont ici. Moi, j'étais un modérateur avant que j'arrête ça. J'étais un MC. Mais il y a un gouverneur d'une province que j'ai rencontré dans toutes les fêtes des autorités samedi. À un moment donné, tout nommé, il y a un vieux à la. Enfin, d'accord, puis. On me dit, on a un gouverneur, il y a côté Kouna. Mais Ayaka, au Koussa, la ligne, tous les samedis, il est ici. Mais avec quel argent? Parce que les déplacements du gouverneur, tout est dans la prise en charge d'un trésor. Donc, par mois, le monsieur peut se déplacer plus de 4 fois dans la capitale. Plus de 4 fois. Est-ce que dites-moi un peu? Tout ça, mbongo à l'État. Non, c'est une manière où on a mis ça. Il y a un paradigme. Il faut qu'on change. Le président Félix Tshisekedi a changé Mbokao. Ça peut gêner beaucoup de gens. Mais excusez-moi de vous le dire. Avec les anciennes pratiques, on ne change pas ce pays. Or, ces pratiques-là ont été ancrées dans le bateau. Et côté bango tina makila et comme il y a mode na bango de vie bango na kateke soki ministre a côté na musala azimbongo a komi bien teint changé beauté ba veste ba kisami mais ce que balongo lié pouf libumekiti c'est ce qu'on appelle la ventriologie, la gouvernance du ventre ba ya kamine na pouvoir ce qui a pouvoir aussi ka pouf mine na sili par contre ba opposant ils sont opposants quand ils n'ont pas d'emploi. Quand ils ont d'emploi, ils n'en sont plus opposants. De normal, ils ont la bouche pleine. Au moment où ils disent qu'on a la mouka, c'est tout à ganga ganga mingi mingi. Quand il était ministre, il se taisait. Il se taisait, il supportait encore les dictateurs. Mais maintenant, quand il est parti, non, il faut en suivre l'opposition. C'est ça la mentalité de l'homme politique congolais. Mais c'est ce qu'il faut changer, c'est ce qu'il faut corriger. Mais nous, quand on corrige Ndeyangoana, c'est pourquoi nous disons au président Félix, Oza Mutu. Président de la République, Oza Mutu. Oza Mutu, mais à Bato. C'est normal. Bato, on a un conseil dans le français, Milaï. Bako, conseil dans l'expérience, il y a Kili Kili. Il peut vous dire, nous, on a fait ça. Monsieur le président, posez un résultat. À la question de l'expérience, nous nous posons la question du résultat.
Ne venez pas nous dire que vous êtes ancien. Résultat. J'ai été 10 fois ministre. Oui, résultat. J'ai été 20 fois. Résultat. Moi, j'étais gouverneur de la banque. Où tout parti, résultat. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que non, il faut Katanga Zoa, il faut Kivusien Zoa, il faut Équatorien Zoa. Nga n'a pas d'accord d'un côté. Pour moi, c'est la méritocratie. Tu es méritocrate, que tu sois Katangais, que tu sois Kassaïen, que tu sois Zoa. Mais si alors, Efeli Bongo est dans le principe, les sociétés ne se développent que par le principe, pas par les humeurs, pas par la conjoncture, mais par la structure. Si nous réussissons à le faire, et ça l'a bien, Tolobaki que, président de la République, soit ça le gouvernement n'a eu à Sika, bah député, bah ça l'a ministre été. Bah député, bah soukana on a député. Bah ça l'a pukuna, bah vandakuna. Na niveau et à gouvernement, ceux qui vont retirer bah député, bah ça l'a au moins 30%. Le moni, au moins 30%. Mais que 70% wana, et ça l'a consacré, na 50, na 70% d'Ikali, moi je propose 50% et bah nouveau et 20% et bah ancien. Parce que le pays est un tout. Nous ne pouvons pas dire tout ben là bas jeune. Pardon, tout ben là bas pas canyon. Non, on ne peut pas chasser tout le vieux. T'es Zamabe. Sur Tangi roman il y a Zamenga Batukezanga, un croco à Lozi, ou bien les orphelins d'Ombakai. Je crois entre ces deux wana. Sur Tangi Ango, au commun à quelque part, à Zometa Lisolo, je sais plus si c'est ça qu'a dit Bani Ango. À Zometa Lisolo, il y a village où Baboyaki, Baboyaki. Bah, mais je ne crois pas que ça va deux titres. Il doit y avoir un autre titre que j'ai oublié. Non, les oreilles ne dépassent jamais la tête. Voilà. Alors, ce qui, dans l'histoire, Zamenga Batukezang, notre savant, a dit que dans le village, on a des jeunes, des yokani, des bengani, des koko, des bengani, des mikolo, des mais il y a des gens qui ont des koko. Jour. Nyoka, Nguma et Kangaka jeune moko, bango tout baki na maël était. Mais oh, wana mouana na batela ki koko, noko koko na bango, alanda ki koko na bango, yana koko na bango, koko na bango l'obite, bozo kaka soso, bokata ekingo, boboka soso, Nguma koko komona soso te. So azo denda denda boe, azo bondir, par-ci par-là, Nguma tika muto akolanda nyoka wana. Et c'est ce qui a été fait. Et bah c'est les barri koko wana, bah pessier. Place à vendre. Donc moi je crois que il faut mixage on a ezala. Ba pakawana bazala bazala mais bazala mukié. Bazala ta 20%. 30% ezala ba député parce qu'il faut pas me connaître que l'idée. Ce qui Félix Tshisekedi a réussi reloko et là pour ba député ba dimagi ko accompagner. Donc il faut récompenser les députés à au moins 30%. Et le 50% ezala ba tout bazala constituer ba tout yasika. Na ba tout yasika wana les jeunes, les hommes, les vieux, les femmes, mettez tout le monde ensemble, mais au moins, Batou Yassika. Parce que ce qui tue ce pays, c'est Batou Mité Mamabe Wana. Mouté Mona Yamabe, Yéroze Bambou Kanabisho. Je crois que moi, je suis très convaincu que le gouvernement, et que le gouvernement Oyo, et que la Penza, n'a force et belé. On attend voir l'ossature. Je crois que le chef de l'État aura appris, Nabilo Koudnyo Seleki, à comprendre qu'il y a un type bateau dans des bouées. Maintenant, il faut changer les choses. Parce que nous devons avoir une autre mentalité de gestion. Une autre mentalité vraiment de gestion. Parce que ce qui a dérangé, c'était la mentalité de gouvernance. Maintenant, il faut mentalité de gestion. Le vrai modérateur a lobby, le dernier verrou du FCC saute. Impact News, Kamer est attendu pour convaincre les juges et non l'opinion. Mesdames et messieurs, Nathalie, ma photo, mon corps, donc il passe. Non, Batman est mon côté. Non, qui passe dans mon thème en anglais. Bape si ndakou wana, il y a Emmanuel Chadari. Ndakou, il y a l'État. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je crois que le procureur, après la cassation, je pense que le procureur de la République, il y a instance, il y a M. Chadari. Essayez, s'il vous plaît, d'interpeller M. Chadar. Il n'a pas le droit de détruire la maison de l'État. Il n'a pas ce droit-là. Ce n'est pas un Congolais supérieur. Tu n'as aucun droit, il y a beaucoup de l'État. Dans le lobby, il y a
Quand je dis tu, je ne m'adresse pas à M. Chadari, je m'adresse à tout Congolais. Nous n'avons aucun droit. Les gens devraient apprendre à respecter le bien de l'État. Je vous donne un exemple simple. Christian Bossembe, nommé ministre. Ok. Dans le pouvoir. Parce qu'il y a un d'accord à l'État. Dans un d'accord à l'État. Est-ce que vous savez que le jour où je dois sortir de la maison, je n'ai pas le droit d'apporter. Il y a un peu de misabiloko, atteint un gamoko, sans que vous siez à justice à Zalawana. Je n'ai pas ce droit-là. Parce que avant d'abîmer mananda, il faut dans ça la remise et reprise. Il faut dans la kina ça l'état de bateau l'état au bas côte ce kinga wana. Il faut passer à l'état des lieux. Batala oya que kuta kinda kunengenini. Obimi okute oti kinda kunengenini. Mais batala état et modèle wana. Est-ce que vous êtes sûr? Êtes-vous convaincu que M. Chadari a kota kinda kunzaka modèle wana? Bon, ndaku e bombio. Ndaku e batelio. Et honoré, yo. Monsieur Chadari, ce qui est dans Dakuna yo, Penza Solo, c'est que vous en moutez ma bébé Makasi. Mais ce qui est dans Dakuna yo, c'est que vous moutez ma bébé Makasi. Donc c'est de la manière où il n'y a pas de modèle. Parce que vous regardez la méchanceté. La méchanceté se voit. Dans le modèle, vous détruisez tina ba plafond. Tina ko picola ba carreau. Ça veut dire un peu comme on t'appelle si ordre, quoi, Bibo, tikandako vide et de l'invivable. T'es à côté à courant, bah, picoli même courant. Oh, n'en a mis une amie, mais alors, c'est fini, quoi, dans ce pays. En tout cas, moi, je crois, je serais déçu si ce monsieur s'en sort comme ça. En tout cas, s'il n'y a aucune interpellation, je serais très déçu. Non, il faut donner un exemple à nos enfants. Il faut donner un exemple à nos enfants. Il faut battre au cas suite à l'Ikamboyo. Le procureur, vous ne pouvez pas lâcher cette affaire. Deux choses. Ou c'est la prison pour destruction méchante. Ou c'est la réhabilitation dans cette maison, dans l'état Ondakozalaki. De deux choses, Wana, il faut beau pour Namoko. Excusez-moi de dire il faut. Non, on n'a pas un autre choix. Sinon, qu'est-ce que nous allons enseigner aux futures générations? Ce qu'on va dire, Kabongo Baza est belé. Vous êtes le premier à vous vendre à Yakoubou, à vous vendre à l'État dans ma casse. Au vendre à l'État. Mandat à l'État est sili. Yoza député, yoza ministre, yoza sénateur. Comment tu peux continuer à vivre dans l'État? Attaque au binomoko. Donc, l'État congolais a foutu la bateau. Au Baza, l'agent à l'État. A foutu la bongondaku. Alors que Bandaku, il y a l'État congolais, et a habité le bateau, Baza, l'agent à l'État. Est-ce que vous ne trouvez pas ça, c'est contradictoire? Et puis moi, je me pose une question. Bino Bato, vous avez dit la gouvernance à Kala, à l'époque à Kabila. Vous avez dit que l'État, vous avez dit que l'État, vous avez dit que l'État, vous avez dit que l'État. Mais puis, vous avez dit que l'État, Félix, vous avez dit que l'État, vous avez dit que l'État. Mais est-ce que vous avez dit que Félix, vous avez dit nouveaux agents à l'État, vous avez mérité, vous avez dit que l'État, vous avez dit que l'État, vous avez dit que l'État, l'État devient locataire alors que l'État a des maisons. Et dans le sens de oh, binon de bobi que binon de besoin freiner. Binon de ceux qui vont libérer Bandakouana, le peu d'argent qui part dans Babilokouana est au service de l'eau comme tout. Mais vous, vous restez dans les maisons de l'État, faisant de l'État locataire. Alors que l'État, c'est bien. Moni mania, yako kwa mambok. Nenye ba degonoso ba kamaki mbok. Siko baza bongo ebele, ba généraux, ba colonel, ba liye. Baza ebele. Ba ancien DG, ba ancien ministre, ba kouvandara da Bandakou à l'État. Ba vandi nandaku ya l'État. Alors que tout le monde est à l'État, bah ça nandaku moussou pembeni. Non, moi je crois, humblement, que c'est le moment de recadrer certaines choses. Ministère et habitat, n'habitez ce ministère. Ministère et habitat, ouais, quoi, y'a sika. Parce que je suis convaincu qu'il y aura un nouveau ministre de l'habitat et bien d'autres choses. Bah ministre, c'est certain, bah tout ce que nous avons dit, répertorier banda kunyoso ya l'État. Ba sa la répertorier banda kunyoso ya l'État. Ba ta la état nango ezanini. Na yo ka sango moko na UTEX Africa. Na ebite, na yo ki sango. Moi je ne vous donne que des informations. O na nango sur. Na yo ki sango que y a beaucoup de choses na concession ya UTEX Africa. Chère autorité, je suis en train de m'enquérir de la situation. Et je vous apporterai à Wananine. Mais nous informons à toutes les instances
On apprend. Rien n'est sûr, rien n'est rassuré. Mais nous apprenons. Dans ma source concordante que le modèle va comme côté Kabanda Kukuna et comme il est. Est-ce que ça le makana le lingwana? Est-ce que ça a une langue normale, la normalité? Bon, c'est à vous de voir. Notre travail de journaliste, c'est de vous dire les soupçons que nous entendons. Moi, ma information, mais qui est Miguel de Zoyoka, ce qui n'est pas encore confirmé, Binobo Kinegotal. Comment Moutoroki peut détruire Ndaku et l'État dans le modèle Wana? Comment? Au moins, il y a un esprit, Afdel. Au moins, il y a un Afdel, Bayaki, au moins, il y a un Bouka, Bouka, Bouka Kawele. Babuka Kanchachi, Babuka Bakanyoso, Babuka Biloko, tout est dans le Mobutu, Babuka Théâtre des Verdures, Babuka. Et la même mentalité, on a. Mais tout à l'heure, on a un modèle, on a un président, Nabiso. Nzambaka, Nzambé. Dieu sait épargner les gens. Moutou Yabongo, on a un président. Ce commandant est Sili, Mabomimboka, il peut embraser le pays. Ce qui est déjà pour Nandako, on peut tenir. Si c'est seulement pour une maison, alors qu'on a un Nandako, on a un Nandako. Mais okika kama b okika ngute mama b na baby sango konta mutako yakuna au kama ke ndako beba bon ce qui pona ndako za boyi ce qui pona mboka nge za ndeni Dieu est amour nzamba talabi ah ma petio yo so na tikeli bango makambo nge za somo yego na biloko lokonde zili kabila ndolo bano so bokoti allez équateur et comme zamba café donc ngai boyi ba lg ba Jérémy to to baluka to to bolwa ma. Si vous avez un café, vous avez un café, Jean-Pierre Bembo qui a dit, oh, bah, bon, là-bas, on a un café. Parce que si Jean-Pierre avait dit, ok, ouais, quoi, y a, toi, y a, plutôt toi, bah, café. Café, à moi encore, là, dans ma café, vitamine, ta café, mon aime. Vous, est-ce que vous voyez un peu? C'est une mentalité, au fait. C'est une mentalité, Yangouana. C'est une mentalité de l'Afdel. La mentalité de détruire le pays. Mes frères, mon acte, on a pas blagué. Cet acte-là est un acte de vandalisme. C'est un acte de banditisme. Si cet acte-là, je le dis encore, parce que Natangi n'a pas info, Balobi Gazanda Kachadar, après être déguerpi, Natangi n'a pas info, Balobi Bongo. Je ne sais pas si je dois confirmer ou pas confirmer. Mais on nous dit que c'est comme ça. Mais alors, c'est grave. C'est pourquoi je demande au procureur général de la République. Je demande, na parquet, ya Kinshasa, beaucoup maintenant sur terrain, bossa la paix, bossa la constat, wana, pour évaluer ma casse, wana. Deux choses pour M. Chadari. Ou il va en prison pour acte de vandalisme, ou il va, ou il paye pour tout ça. Non, on ne peut pas laisser cet acte passer comme ça. Sinon, ça va être une consécration à la bêtise. Sinon, tous les autres vont faire la même chose. Au moins, une mentalité, on a Yangonde à la Kanamitu Yabatu. Ministre, va pécier Moussala, à mon bureau, na bureau. Est-ce que vous imaginez? Ministre, va pécier, comment on appelle ça? Bureau. À mon bureau, le bureau est équipé. Mais le ministre a ça, le bureau, n'a pas privé. Qu'est-ce qu'il fait dans le bureau privé? Azui ba meuble, il y a bureau et à l'État, à traverser mon aboutou. Et quel est le bureau privé? Oh, le bureau privé a il été aidé dans le ministère. Est-ce que vous imaginez ça? Barido, les ministres peuvent nous dire. Hein? Barido, penza rideau. Ma petit ministre rideau, attends les rideaux les a bien. À longo du rideau ana, à quel endroit le bureau n'est privé? Azui bureau a il été aidé à aidé dans quoi? Mais tout qu'on en parlons même pas. Beaucoup de ministres bateau, bah, chauffeur, bah, lobby ango. Ministre aye. Azui pendant moteur ya mutuka ya solo à longoli ango azui moteur à kimbambala à côté si na mutuka ministère et puis avec compte 5 ans à tout moment hein, à tout moment c'est ça la mentalité. Nous n'avons pas le respect du bien commun, nous n'avons pas le respect de la chose publique. Mutuka ya l'État et comme tindaka et comme tindaka moi aussi na classe et comme tindaka ma kango mutuka ya l'État tout coûte na bon marché. Et van dit devant Kamundele, Moutouka est l'État. Nakatukuna, ben de Gonabi sur Bassi. Au bâté, Rabilo, tu es baraté. Ben Nakatukuna. Bon, Bino Bosan, Bosan, protocole, il y a président, t'es. Bosan, protocole, ministre, t'es. Bosani. Oh, les filles de joie. Bon, filles de joie, la Moutouka est l'État, Nengeni. C'est ça la mentalité. Ça peut vous faire rire, hein, mais c'est grave dans un pays comme ça. Est-ce que vous avez un bilan sur le Syrien, vous avez un ministre, parfois, ministre était.
Bastiré, nous sommes au monde en Zélao. Et ministre était. Et ça, ma chauffeur. Et ma ministre, non, ma kangou na bango. Azu du kangou, nous avons gagné à intimider. Tu sais, on a gagné sirène. Mathieu, on a sirène des Alak. Allez, Amati. Ouah, ouah, bon, on a eu un ouah, ouah, ouah. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire, les gens n'ont même pas le sens de l'État, quoi. C'est regrettable pour un pays qui veut se développer avec ces mentalités-là. C'est regrettable. Ministre, on a gagné à Zubiloko tout à Kenango. Agent à l'État, à l'Ingabimana bureau, à Zubiloko, on a bureau à Kenango. Biloko n'est seulement la place ni. C'est pourquoi tu le dis qu'avec Félix Tshisekedi, les choses seront autres, se feront autrement. On doit maintenant baser au tang, baser au coma, tina bas rideau, rideau, au coutitel, au coutit tapis, tout, baser au n'a marque à tapis. Et le jour où tu veux partir, on te dit, messieurs, tozong, wapi kiti, wapi mesa, wapi tapis, wapi rideau. Et ceux qui ont dit que ça, ils ont publié yango comme ça, prochainement. Bah non, bah que papa n'a mis nos agamouibi. Nous voulons un État sérieux, un État vrai, un État dans lequel les gens respectent la chose publique. Comment la voiture de service peut aller acheter les chikwang? Moutoukaya l'État, papa général, maman colonel, ce qui n'est ni papa colonel. Moutoukaya mes soldats. Et comme ils ont été dans la classe, l'olenge nini, moutoukaya service, service y a papa. Et là, maman, y a banatin. Bon, et qui est-ce que vous avez dit? Où est-ce? Toi, tu as dit la présidence na Bandal. Moutouk. Comment appeler PR na Bandal. Avant, il y a quoi? Parce que moi, je me connais. Avec mon tout. Ah, mais moi, je me connais. Mais pas la Moutouk à l'État. Et ça, il y a un euro Moutouk à l'État. Surtout pas la présidence. Surtout pas le ministère, quand même. 17h. Il faut tout comme un niveau que. Bah, ça, il y a un traceur dans la Moutouk au ministère. Traceur, il y a un très important. Déjà, dans le charroi automobile, dans le niveau central, il y a dit que Moutouk est coté dans un tel et dans un tel. Il y a un yango. Parce que il y a que Moutouk, carburant, on appelle ça dans Moutouk à l'État et dans le rapport, il y a un heure à Moussala. Pas en dehors de l'heure à Moussala. Quand ça devient pour la course privée, il y a un carburant à Yomoko. Et l'État devrait compter ça. L'État, il faut qu'il y ait une unité, il y a un téléphone, il y a un ministre, mais pour le service. Moi, l'État au Félix Tshisekedi, je crois que l'État est un modèle. C'est comme ça que nous voulons que Mbokine. Vous avez un ministre, mais autant au ah non, on a la place, non, sur la place. C'est ça. Que tu sois concentré, caca dans Moussala. 17h, au Bengi, il y a un chauffeur, il y a Moussala, il y a non, monsieur, je suis hors service. Excellence, avec tout le respect que je vous dois, mais je suis hors service. Moussala, il y a à 7h30, c'est à 17h30. Après, on est comme une activité privée, on n'est plus dedans. Prends ta voiture privée, tambole là. Mais à l'État, pas question. Quand on atteindra ce niveau-là, le Congo va changer. Et je vous assure que c'est le Congo que nous voyons. C'est le Congo que nous allons diriger un jour. Le Congo que nous allons diriger un jour. Ce sera un Congo comme ça. Que la peur quitte nos esprits. Et que Dieu bénisse les RDC. Salut, je m'appelle Blanchard Mbanzo. Je suis Congolais, vivant ici en Angleterre. Et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici en les véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons spéciaux et des cartons, je vais dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air fret, donc le fret aérien, et nous avons aussi le road fret, le routier. Quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall. Et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres.
Donc, vous avez including, donc nous, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Oh,